Ouais, on se retrouve pour les pay-per-view et Emotion Chamberlain Main Event. Abonnez-vous, laissez les commentaires, abonnez-vous à Divu Gamer, la JTV, par Gozerix, le petit Québécois, Chitter G84. Le best 78 également. Ah, c'est sûr que c'est limite, hein. Oh. Allez, Kofi. Allez, Kofi. Allez, putain de bordel de merde. Oh. Arrête de te prendre. Ah, what? Arrête de prendre ton temps. Wow. Oh my god. Il est chaud, Daniel Bryan. Il est chaud, Daniel Bryan. Oh putain, oh putain, oh putain. Ah, oh, c'est mort. C'est fini. Franchement, il nous a fait espérer, regarder la déception sur tous ses visages. Il a tellement été exceptionnel, un tour de soi incroyable. Il a souffert pour nous, il s'est mis en train de faire pour lui des missions. Incroyable, comme il s'est sur cette chute. C'est sur cette chute qu'il a mis. Chambre d'élimination. Sans controverse, sans intervention, tout seul comme le grand qu'il est, Daniel Bryan conserve son titre. Ah, bien sûr, mes amis, on en a tous rêvé, on aurait tous voulu que Kofi Kingston ce soir devienne champion de la WWE. L'histoire aurait été belle. Ah ouais. Mais il est tombé face à un Daniel Bryan intraitable. Et cette ovation du Toyota Center et cette course. Ses deux meilleurs amis et coéquipiers. Il n'aura certainement pas l'idée à sécher ses larmes, mais diable que cette ovation et cet amour sont mérités. Bravo, Kofi. En tout cas, Kofi Kingston, on a rappelé qu'il est un formidable athlète. Eh oui, mais ça, on l'a jamais oublié. En solo, on l'avait pas vu depuis longtemps. Kofi Kingston. C'est pour ça que j'ai fait ces petites vidéos pour savoir qu'est-ce que vous avez en pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de Emotion Chamber. Au prochain numéro!
Un favori.